Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Pour la conférence d'Évian, un avion a amené à Genève les membres de la délégation FLN conduite par M. Belkacem Krim. Paris qui exhume 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, une nuit blanche pour voir l'avion. L'usage de la force ne se justifie pas. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections.